retour. Merci de nous retrouver pour un super essai très longue durée avec une super méga routière. D'où, vous voyez derrière quoi on est. On est derrière un train. Ben oui, ça c'est pour vous emmener très loin avec cette Harley Road Glide Limited. Et oui, et alors quand on vous dit très loin, on a décidé de se faire un Paris-Budapest avec cette Harley. Bah oui, c'est une année historique, les 120 ans Harley Davidson, avec une méga fête, 50 concerts à Budapest, l'Arena, c'est impressionnant. Et donc, on est parti de Paris, bien sûr, direction Grenoble, un petit bout de la route Napoléon, direction l'Italie, l'Autriche, avec superbe vue sur les Dolomites le long de la route. Mais on était trop impatients pour vous faire le retour sur ce trip avec cette Harley. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que comme d'habitude, on vous concocte un super bonus sur notre trip et sur, bien sûr, Budapest, une ville magnifique. Vous connaissez hein, les routières, il y en a plein, enfin il y en avait plein, oui. FJR 1300, ZZR 1200, voire 1400, là on était presque sur les Sport GT. Aujourd'hui, Euro 5 oblige, il y en a beaucoup moins, il reste la mythique Goldwing. Il y aura également la K16 naturellement chez MW, la R1250 RT beaucoup plus légère. Et puis on oublie presque de temps en temps les gros custom et notamment cette Harley Davidson et puis les Indian Roadmaster, mais surtout les Street Glide, les Road Glide, les Road King, l'Electra Glide, tout ce qui est glide, c'est pour partir au loin. Alors côté glide, vous avez la Street Glide et la Road Glide notamment chez Harley Davidson qui partagent exactement le même cadre. Ici on est sur la version au-dessus Street pour rue, ouais, c'est presque pour faire de la ville, je blague, on peut aller beaucoup plus loin, on a même fait ça en Sport Glide qui était dans la catégorie Softail. Là on est vraiment du coup sur la vraie routière, la Road Glide avec plein de carénages, un gros carénage à l'avant qui par rapport à la Street Glide n'est pas sur la fourche, mais justement indépendant, qui va permettre d'avoir une fourche beaucoup plus légère. Mais surtout, vous avez vraiment un gros massif custom de 423 kg. Et oui, il faut les déplacer. Vous avez noté son empattement, sa longueur, sa largeur. Il y a les valises, valises qui sont identiques entre la Street Glide et la Sport Glide, mais avec de la bagagerie et un énorme top case en plus. Il y a même des vide-poches à l'avant. Et pour ceux qui aiment plus les chromes, il y a de la finition chrome ou il y a de la finition matte comme notre modèle. Et surtout, en dessous de tout ça, il y a trois moteurs. En fait, il y a le 114, celui de notre version d'essai, le 117. Et puis tout dernièrement, puisque là, on est sur un modèle 2023, en 2024, vous allez avoir droit au modèle 121. Mais pour en revenir au 114, c'est le 1868 cm3 où on retrouve ce fameux V-Twin Harley Davidson avec très peu de puissance, en fait, juste 87 chevaux. En plus, 87 chevaux qui sont assez hauts. Par contre, un couple très bas. Et lui, par contre, le couple n'a rien à voir parce qu'on a 160 Nm de couple, des 3000 tours en minute. Et c'est ça qu'il faut pour entraîner ce mastodonte. Parce que oui, c'est un vrai mastodonte. Il n'y a pas beaucoup de puissance. C'est très lourd. On a beaucoup d'électronique. Donc, les valises sont chargées à bloc. Sandrine est un poids plume. Heureusement, merci Sandrine. Pour arriver à emmener tout ça. Et on le verra, notamment à vitesse lente. Faut y aller. Vous l'avez noté après, position naturelle, très droite ici avec ce guidon, malgré cette forme un peu limite corne de vache. Une énorme selle, aussi bien pour le pilote que pour la passagère, avec un énorme dossier, des dosserets sur le côté, les baffles, les enceintes, 4 fois 25 watts, soit 100 watts, ça pulse énormément à l'arrêt. Bon, maintenant, si vous êtes sur autoroute à 130-140 km/h, ça sera un tout petit peu la limite. On monte très facilement là-dessus, il y a des grosses protections, on note les parcs artères aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Alors, si vous la posez, il faut la laisser poser en fait. Pour se poser, il y a d'énormes marchepieds rétractables à l'arrière, également une énorme béquille qui bouge toute seule, ça fait un petit peu peur, elle est assez loin, vous allez remarquer qu'il faut la pousser du bout du pied, il faut la récupérer du bout du pied. Si vous êtes petit sur pattes, ça va faire très bizarre. Et puis on a une selle relativement basse qui va vous amener à vous obliger à... à redresser la moto. Je fais un peu semblant, mais pas tant que ça. 423 kg à redresser alors que la moto, elle penche pas mal. À l'arrêt, vous allez voir, font un peu de muscle.
Après, vous avez toute la technologie possible et inimaginable, contrôle de traction, ABS en courbe, poignée chauffante naturellement, un super système boombox avec GPS intégré, pas besoin d'avoir une application. Mais c'est mieux si vous avez l'application Harley-Davidson parce que vous allez pouvoir télécharger vos tracés directement dessus. Oui, parce que pour tout ce qui est multimédia, il faut vraiment bien préciser que Harley-Davidson a fait des gros efforts, des gros progrès sur tout le multimédia. Puisque, un, vous pouvez connecter votre smartphone en Bluetooth ou même votre casque en Bluetooth en un tour de clic. Et ça, souvent, il faut trois plombes et encore, de temps en temps, on est en échec. Là, on y est arrivé. De plus, le GPS est assez facile. À noter qu'en plus, l'écran est tactile. Et ça, c'est pas rare. Mais quand même, c'est bien. C'est vraiment hyper pratique, y compris avec les gants. Et c'est encore plus important de le noter. Maintenant, en roulant, c'est plus pratique de le faire au Komodo. Ben mais oui, au moins, on peut faire les deux, parce que l'écran, il est loin. Il y a un petit joystick ici, et puis un bouton home à gauche, le régulateur de vitesse, la totale, en fait. Alors, pareil, si vous voulez écouter justement la musique avec ces super enceintes, super simple, vous mettez votre smartphone, que vous pouvez brancher d'ailleurs un peu partout, parce que là, pour une fois, les prises... Ça ne manque pas, il doit y en avoir au moins 3 ou 4 entre l'avant et l'arrière dans les vide-poches et autres. Du 12 volts, de l'USB, voilà. Vous avez le choix. Et du coup, en Bluetooth, bah, vous pouvez mettre toute l'appli que vous voulez, les Spotify et autres, et ça fonctionne. Là, c'est parlé, on vous a concocté un petit essai embarqué sur les petites routes des Alpes. Eh oui, je vous emmène tout de suite, c'est parti. Et bon, bah, nous voilà à bord, même pour le pilote d'1m70. Malgré une selle pas très très haute, les deux pieds ne sont pas complètement à plat. Il faut dire que la selle est hyper large, mais aussi hyper confortable, hyper moelleuse, aussi bien d'ailleurs pour le pilote que le passager, mais Sandrine vous en redira plus long. L'embrayage et le frein sont peut-être un peu loin pour les petites mains, et puis l'embrayage il est bien dur. On a des tout petits rétros, c'est assez étonnant, hein. D'habitude on est habitué sur une Gold par exemple à avoir des rétros beaucoup plus grands, mais en fait ça suffit largement. Et puis transpondeur, donc c'est au milieu ici que l'on tourne simplement pour allumer. Démarrage standard, le gros 114 de 1868 cm3 s'ébroue, ça vibre à peine, ça part facilement. Dès qu'on est à 20 km/h, ça va en fait. Mais les premiers tours de roue quand vous... découvrez la Road Glide Limited pour la première fois avec en plus l'effet du ballon des valises, d'autant plus qu'on a plein de matériel électronique dans les deux valises à droite et à gauche, que le top case il est bien bourré. Mais par contre, faut pas être bourré du tout pour prendre cette moto, qui encore une fois qu'on roule bien et qu'on l'emmène, est hyper maniable. Ça tourne tout seul, ça va racler assez vite. Mais par contre, ce qu'on apprécie, c'est que on pourrait mettre deux fois notre poids encore, tellement c'est confortable, c'est vraiment ça. C'est très doux à l'accélération, ça virevolte gentiment. Il faut pas être trop nerveux sur la poignée de gaz. Ça envoie si on reste sur le deuxième et troisième rapport. Par contre, pas sur le 6. Sur le 6, il n'y a rien du tout. Là, on le voit sur les petits virolos. Franchement, c'est très sympa. Il y a un peu d'embonpoint, donc il faut faire gaffe, notamment sur ces petites routes très étroites où les voitures sont déjà au milieu de la route. Donc ça prend de la place. Et encore une fois, même quand vous êtes 30-40 km/h, c'est bon. Le moteur est sympa, il s'élance. Ça freine plutôt bien de l'avant, même si... ça se bouscule un peu. En fait, il faut vraiment ne pas hésiter à utiliser l'arrière avec la grosse pédale, l'immense pédale que l'on a sous le pied droit. C'est ça qui va vraiment asseoir la moto. Il faut appuyer comme une brute pour que ça serve à quelque chose. Et à l'avant, il ne faut pas non plus hésiter à prendre le frein très fort, mais à serrer de toutes ses forces. Ça plonge un peu. De toute manière, cette moto-là, ce ne sont que 87 chevaux. 87 chevaux, encore une fois, pour 423 kg, plus le chargement. Ouais, vous n'allez pas faire des arsouilles en pleine montagne avec, mais on peut rouler quand même très très vite. Elle se révèle très très saine, aussi bien sur ces petites routes que quand on a pris l'autoroute,
avec un régime moteur idéal pour elle entre 3000 et 4000 tours minute, grosso modo. Sachant que le rupteur est à 5005 et on l'a vite, hein, le rupteur, hein, si vous avez l'envie bizarre de faire grimper la première au maximum, vous serez au rupteur à 80 et vous le sentez vite. Mais de toute manière, au sentiment, hein, de la moto, vous savez, quand vous êtes entre 3 et 4 sans avoir besoin de regarder les compteurs. Et ça tombe bien parce que de toute manière, c'est plutôt le GPS avec cet énorme écran que vous avez exactement sous les yeux. Et comparativement, les compteurs qui sont situés beaucoup plus bas, on les voit à peine. Il faut baisser et quitter la route des yeux, ce qui n'est pas toujours pratique. Mais si on roule normalement, tout va bien. C'est pas une moto pour petit gabarit et c'est pas non plus une moto à deux. Alors forcément, avec 87 chevaux, on se doute que c'est pas une moto à deux. Mais avec son poids qui vous emmène quand même, faut pas trop se laisser embarquer. Même si, encore une fois, ça se révèle plutôt maniable, plutôt sympa, tant qu'on la pousse pas dans ses retranchements. En fait, pour cruiser tranquille à 80, 90, y compris là-dessus, c'est très sympa. Ceci dit, le bicylindre, il est plus que volontaire. En fait, il accepte même, pour l'exercice complètement débile que vous ne ferez jamais, en sixième et sur le dernier rapport, comme là, vous pouvez être à 50 km/h. Allez, il sera plus à l'aise à 60. Ça cogne, c'est vraiment sa limite. Mais il l'accepte. Bon, dans la réalité, en ville, vous serez grosso modo comme moi en ce moment, entre le deuxième et le troisième rapport, pas plus. On notera que lors des dépassements, eh bien, on a vraiment les commodos à l'américaine, à la Harley, hein, pas comme sur les japonaises, ce qui veut dire que le clignotant gauche est à gauche, le clignotant droit est à droite. Seul point qui est bien, c'est que si vous l'oubliez, eh bien, il s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes. Et ça tombe bien, parce que autant à gauche, il tombe bien sous le pouce, à droite, ben on n'est pas habitué avec le pouce, alors qu'on a la main sur la poignée d'accélérateur, à aller chercher un bouton de façon régulière. On notera que la bulle protège super bien. En fait, même après une journée, alors que d'autres étaient sur la même route, se sont retrouvés avec des casques vraiment pleins de moustiques, etc. Le mien était propre. En fait, c'est la bulle qui prend tout. Le vent, il passe vraiment au-dessus. Et puis, on a un système devant là qui permet de régler un peu l'entrée d'air devant. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et un autre point également que vous apprécierez, c'est que le moteur dégage beaucoup, mais vraiment beaucoup de chaleur, notamment à droite. Et donc, il y a deux petits évents à régler et à ouvrir. Et là, il fait déjà un petit peu chaud dehors. Alors autant l'hiver, ça peut être à peu près acceptable. Enfin, moi, j'ai le mollet qui crame en permanence. Donc la solution, elle est toute simple. C'est la bouteille d'eau sur le jean et on mouille le jean régulièrement. Et dès que ça commence à sécher, on en remet parce que bah, autrement, j'ai l'impression d'avoir un jambonneau en train de rôtir à droite. On notera en termes d'autonomie et de consommation qu'on a une jauge à essence hyper précise à gauche. Bon, doublé au niveau électronique sur l'écran TFT couleur devant. Et avec une autonomie impressionnante, hein, on a un réservoir de 23,7 litres. On pourrait se dire, oh, pourtant elle est donnée pour une conso de 6 litres 3 au 100, cette Road Glide. Mais en fait, si on roule cool, et c'est ce qu'elle infie vite, même si on peut aller essayer de la taquiner en descendant sur le deuxième et troisième rapport sur les petits virolos et les petites routes, eh bien ça consomme pas grand chose en fait. On a même réussi à descendre à 5,2 de consommation au 100 avec un test à la fois au compteur, ce que disait l'ordinateur de bord, et vérifié à la pompe à essence, parce que là on se fait quand même 1500 km sur 3 jours. Du coup, on peut vraiment avoir une autonomie de plus de 400 km. Bon alors, et en confort? Ah bah, côté quoi, je pense que toi déjà, tu diras ton avis, mais côté passager, merci. C'est... Je t'en prie. C'est la Rolls. Non, franchement, elle vaut un 20 sur 20.
c'est super rare. Je n'ai jamais donné cette note et là, je vais vraiment lui donner un 20 sur 20 parce que on a fait 1500 km en 3 jours, du matin au soir, eh bien, on a pas mal aux fesses. C'est super confortable. En fait, là, ça s'explique par l'épaisseur de la selle. Bon, bien sûr, il y a le dosseret, il y a les accoudoirs, donc il manque plus que le petit verre de café ou la bouteille d'eau et c'est nickel. Les repose-pieds, c'est impeccable. Je n'ai pas trop chaud via le pot d'échappement, contrairement à toi. Bah oui. Et à noter aussi que si jamais la conduite du pilote devient trop sportive, eh bien la fameuse anse, là, est efficace parce qu'il y a un peu de souplesse et du coup, vous passez votre main ici et ça vous permet, parce qu'il n'y a pas de poignée, de se tenir. Donc, nickel. Ben oui, il n'y a pas à dire. Même pour le pilote, la selle est tellement épaisse, les suspensions sont vraiment souples, c'est confortable. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un tapis volant, mais franchement, elle est hyper confort. On a pris des petites routes, des cols avec plein d'épingles. Vous arrivez à la fin de la journée, tout s'est super bien passé parce que c'était confort. Bref, elle est facile à conduire malgré son poids une fois que vous êtes lancé. En conclusion ? Ah ben, en conclusion, c'est la routière ultime, presque accessible. On parle de 33 500 euros à la louche, ce qui est dans les ordres de prix des grosses routières, hormis la R1250 RT qui est nettement moins chère. Il y a encore beaucoup plus cher, on n'est pas sur un motel CVO, on n'est que sur le 114, on n'est pas sur le 117, on n'est pas sur le 121. Excusez du peu. Mais voilà, c'est presque l'entrée de gamme dans les grosses routières hyper confortables. On regretterait presque une boîte automatique. Le DCT chez Honda, ici, sur cette moto-là, ce serait top génial. Effectivement, il y a une super protection au vent. Donc son point fort majeur, comme le disait Sandrine, c'est le confort. C'est un moteur qui accepte quasiment tous les régimes avec une zone rouge qui arrive malgré tout très vite. À 5500 tours minute, ça donne l'impression d'être une plage d'utilisation assez faible. Mais en fait, vous ne pensez pas quand vous passez les vitesses dans un sens ou dans un autre. Bref, cette moto, au bout d'une journée, vous commencez presque à l'oublier. Et son autre point fort, c'est la bagagerie. Parce que c'est vrai que là, entre le top case qui peut contenir deux casques intégraux ou une grande sacoche, vous avez le porte-paquet aussi qui est de série et vous avez les deux valises. Donc là, vous pouvez vraiment partir en road trip à deux pour, ou même voir avec du camping et la tente pour pouvoir faire du camping. Les défauts ? Bah, c'est le poids, hein. C'est 423 kg sur les petits tours de roue. Vous êtes un peu en dévers pour la ramener. C'est lourd, vous êtes un petit gabarit, je mets presque les pieds à plat, mais je dis bien presque, les deux plantes des pieds sont bien à plat. Elle est un petit peu plus haute que l'ancien modèle, donc il faut en tenir compte. Les demi-tours, vous oubliez, alors en ville, c'est l'enfer. Oh, tu arrives maintenant ? Oui, j'y arrive, mais imaginons quelqu'un qui a une Ninja ou une petite 600 A2 et qui passe là-dessus. Mais il faut qu'il s'y habitue. En fait, s'il fait l'essai, il se dira « non, c'est trop lourd, je ne peux pas y arriver ». Au bout d'une journée, vous commencez à l'avoir en main. Au bout de deux jours, ça commence à être presque royal. Et pour faire du commuting tous les jours, parce que vous ne ferez pas de l'interfil avec, bah, ce n'est pas pour la ville, il faut partir loin. Ouais. Et ça vous y invite vraiment. Et puis l'autre point, bah, elle dégage beaucoup de chaleur sur la partie droite. Donc bah, il faut avoir des bottes montantes pour bien vous protéger. Ou alors pensez à mettre son pied autrement, soit complètement vers l'avant, soit à la limite, vous pouvez poser également votre pied sur la plateforme arrière. Et ça, sans déranger le passager ni la passagère. Par rapport à la concurrence, bah, en termes de facilité, la R1250, elle est bien au-dessus, elle est plus légère, elle est facile. Vous pouvez vraiment l'utiliser comme un scooter en ville. En termes de moteur, celui-là, il est super méga souple. Personnellement, je préfère ce moteur à même celui d'une K16. Sauf si vous aimez les moteurs très sportifs. Le 6 cylindres de la K16, il est juste extraordinaire. Ça a du watt, par contre, c'est lourd, pareil. Je préfère ce modèle-ci par rapport à la K16. Et puis, il reste l'incontournable Goldwyn, hyper confortable. La Road Glide est plus confortable, à mon sens, oui, que la Goldwyn. Oui. La Goldwyn, je la préfère en version bagger. Alors là, oui, version bagger, vous voulez partir loin, simplement, vous êtes petit gabarit, vous n'aimez pas les poids lourds. Voilà. Il y a moins de ballon parce qu'il n'y a pas de top case. Ça, c'est génial. Après la version bagger en Goldwyn, il y a celle-ci. Et puis après, ben, il y a la Goldwyn qui a quand même avec son 6 cylindres à plat qui est juste extraordinaire également. Plus souple, pas aussi sportif qu'une K16. Après, c'est vraiment une question de caractère. Vous voulez un moteur qui envoie la purée, la patate avec beaucoup de chevaux, vous irez vers une K16.
Vous voulez voyager avec madame, très loin, tranquille, hyper confort, quel que soit votre gabarit, parce que je ne suis pas un gros gabarit, 1m70, franchement, la Road Glide Limited, elle est top et elle est bien placée comparativement en termes de tarifs. Harley a vraiment fait de gros efforts sur toute la partie multimédia où ils étaient vraiment à la ramasse pendant des années par rapport à Indian. Et puis après, il reste la Roadmaster. La Roadmaster, bah, elle dégage aussi beaucoup de chaleur. La Chieftain est vraiment un modèle en dessous. J'aime beaucoup la Roadmaster également. Après, mais franchement, cette Harley, pour ceux qui veulent rentrer dans le monde Harley, ou pas d'ailleurs parce que rien ne vous y oblige, eh bien, la Road Glide Limited est une vraie, vraie routière. Et Dieu seul sait si aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Vous savez bien qu'on aime vous faire un bonus. On vous l'a promis en début de vidéo. Donc là, c'est parti pour un bonus. Super bonus. Restez avec nous. Bonjour et bien bienvenue à Bouddha Pest. Pourquoi Bouddha et Pest? Et bien parce qu'on est ici du côté Bouddha et de l'autre côté de la rivière du Danube, ben vous avez Pest, ce sont vraiment les deux quartiers. Donc on vous invite à venir aussi bien de jour que de nuit naturellement, avec de superbes monuments historiques s'il vous plaît, et avec des reconstructions absolument superbes à voir.
vous avez aimé cet essai, eh bien pensez à mettre un petit pouce. Pensez surtout à vous abonner en cliquant en bas à droite. Merci de nous avoir suivis pendant cette très longue vidéo. On est trop bavards. Et on vous invite à nous retrouver sur le prochain essai très vite sur le Repère. Et puis chaque dimanche avec l'hebdo du Repère des motards. Bonne route. Ciao, bonne route. Et il faut attendre que la voiture passe. Ça, c'est pour le bêtisier. Non, mais ça va pas être possible. Bah, si ça arrête pas, ça va être l'enfer. Bah, tu t'es... Pendant 10 minutes, il n'y avait après... rien. Il fait. Peiné sur... Bonjour, le chien. Nous sommes en Hongrie. Bonjour. Vous faites des villes désertes. Elles ne sont plus désertes quand vous avez besoin qu'elles soient désertes.